un carré de papier. Le voici, d'air 64 cm carrés, et plié comme on le montre la figure. D'abord ce morceau se plie, puis on plie de l'autre côté à travers cet axe, et on trouve cela. Quelle est la somme des aires des deux rectangles gris? C'est de là ce rectangle et ce rectangle. S 10 cm², 14 cm², 15 cm² ou 16 cm² ou 24 cm². On va essayer de faire un schéma. Alors, si le carré a l'air de 64 cm², cela veut dire que chaque côté mesure 8, parce que 8 fois 8, 64. Alors j'ai fait un schéma avec un carré de 8 cm de côté. De ce sommet, j'ai plié la première fois, comme ici, jusqu'à ce point arrive là. Voilà. Et puis, j'ai plié afin que ce sommet arrive ici. Et bien sûr, on nous demande la somme des aires de ces deux rectangles. Si on s'amuse bien sur la diagonale, on constate qu'il y a plein de petites diagonales ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien sûr, 16 petites diagonales. Il y en a déjà quand on a plié jusqu'ici, on avait 1, 2, 3, 4. Donc 3, 4 petites diagonales. Et ici, il en reste 12 quand on plie. Bien sûr, il y en a 6 ici et 6 ici, ce qui nous fait, regardez bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui nous fait que ce point-là qui m'intéresse et celui-ci sont à combien, vous avez deviné? C'est cela, 2 cm ici et puis il reste les 6 ici. Autrement dit, un quart, ce qui fait que notre rectangle ici a ce côté de 4, évidemment, c'est la moitié de 8, l'autre côté de 2, 4 fois 2, 8, 8 plus 8, 16, 16 cm². La réponse D.